un endroit trop bizarre que personne ne connaît. Un genre de paysan avec un droit d'accent nous y a accueillis. Mais c'est quoi cette sortie? On s'est beaucoup moqué dans les champs de pommiers remplis de pommes pourries. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? On nous a expliqué qu'elles finissent rejetées parce qu'elles nous semblent pas belles, direction la poubelle. Trop de discrimination, on se pose plus de questions. On veut que ça s'arrête, on relève tous la tête. Au moins les préjugés, bienvenue dans le 3D. On nous a envoyé dans la cour du lycée, un pressoir trop bizarre que personne ne connaît. Un autre paysan avec un drôle d'accent nous y a expliqué comment ne pas gaspiller les pommes moches ramassées, on les a tout pressées. Un jus de pommes extra à la base moche comme quoi. On nous a expliqué pas besoin de rejeter, même différent de toi, même mieux pareil, crois-moi. Trop de discrimination, on se pose plus de questions. On veut que ça s'arrête, on relève tous la tête. Au revoir les préjugés, bienvenue dans le 3D. On nous a envoyé dans le cœur d'un marché, d'un endroit trop bizarre que personne ne connaît. Une centaine de clients tous aussi souriants nous y ont demandé c'est quoi ce qu'on vendait. Un jus de pomme tarné. Le meilleur ça c'est vrai parce qu'il vient de chez moi, y'a pas que t'es crois-moi. On leur a expliqué qu'il faut pas rejeter juste pour une apparence dedans, pas différence. Nous avons persisté, on se pose plus de questions, trop de discrimination, vas-y écoute ce son.